Bonjour et bienvenue dans votre cuisine Fleurette, des petites capsules qui ont pour but de vous aider, de vous inspirer ou tout simplement de donner un peu de vie à votre cuisine. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question de Caroline. Caroline est une femme active, elle travaille énormément, elle voudrait une idée un peu simple mais également originale pour accompagner ses salades. Et donc la recette sera une salade trio de fraises et de chèvres. Pour 4 personnes, il vous faut un sachet de salade Fleurette Trio, 12 grosses fraises, 80 g de fromage de chèvre, 50 g de noisettes, 1 cuillère à soupe de vinaigre de framboise, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, de la fleur de sel et du poivre. On va commencer par la vinaigrette. On va y mettre le sel, un peu de poivre, l'huile d'olive et enfin le vinaigre de framboise. On mélange bien. Et on met tout ça dans notre saladier. Et maintenant, les fraises. Petite astuce, lavez d'abord vos fraises avant de les équeuter, sinon elles se gorgent d'eau. Je les coupe comme ça et ensuite, je les coupe en quartiers. Maintenant que nos fraises sont coupées, on va émietter le fromage de chèvre. Prenez plutôt un fromage de chèvre doux. Et ensuite, on va écraser les noisettes. Et maintenant que tous nos éléments sont préparés, on va passer à l'assemblage de la salade. Avec évidemment notre salade Fleurette Trio, avec de la roquette, de la salade de blé et de la betterave. On va bien mélanger notre salade pour qu'il n'y ait pas que les feuilles du fond qui profitent de notre vinaigrette. Et ensuite, on va rajouter nos éléments. Le fromage de chèvre, les fraises et nos noisettes. Et voilà. Voilà Caroline, j'espère que nous avons répondu à vos attentes. La semaine prochaine, nous répondons à Franck qui a besoin d'un peu d'inspiration pour son dressing. À la semaine prochaine!